W595. Aujourd'hui, on se retrouve pour une longue vidéo qui va vous présenter le trajet de la Turquie jusqu'à la France. Et oui, ça va être une vidéo longue parce que c'est un trajet de 3 500 km. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas tout filmé parce que le voyage durait 2 jours et demi. C'était vraiment long, les potes. J'hallucine. Franchement, 2 jours et demi pour 3 500 km, c'est long. Mais quand même, on est passé par les autoroutes. Si t'étais passé par les nationales, là, ce serait beaucoup plus long. Mais ce qui est chiant avec les autoroutes, c'est que c'est payant, sauf en Allemagne. Et c'est ça que j'aime bien. Bon, voilà, cette vidéo va vous présenter le long trajet de la Turquie jusqu'à la France. Donc j'ai filmé tous les clips. J'ai enregistré tous les clips du voyage. Donc je vais vous mettre dans cette vidéo, comme ça vous pouvez voir comment le trajet est. Allez, on se retrouve pour cette vidéo d'un long voyage. Allez, c'est parti les potos! Voilà, nous sommes de retour et vous vous rendez compte à combien de kilomètres je suis de la frontière entre la Turquie et la Bulgarie. Je suis à seulement 4 kilomètres de la frontière. Et attendez, je vais vous montrer quelque chose d'important sur la route. Alors, oh my god, what the fuck? Regardez-moi cette queue de camion. Regardez. Parce qu'il y a beaucoup de Turcs qui transportent de la marchandise turque vers l'Europe. Le prix au moment où je fais la vidéo est de 6,21 pour le gasoil, 6,66 pour le sans-plomb. Donc ça fait moins de 1 euro. C'est trop bien, n'est-ce pas? Non mais regardez-moi cette queue de camion. Regardez, en plus ça continue. La frontière bulgare est à seulement 4 km d'ici. Et il y a plein de Turcs qui font leur métier. Voilà. Merci d'avoir regardé cette partie de la vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de la route. Et je filme la route en Bulgarie. A tout à l'heure les potes. Regardez. La frontière est à seulement 750 mètres d'ici. Si vous ne croyez pas. Regardez, vous avez vu. Donc là, il y a quelques voitures devant nous. Ils vont faire un contrôle de passeport. Ils vont désinfecter notre voiture. Bah, ensuite, on peut entrer en Bulgarie. Voilà, ensuite, on continuera jusqu'à A4. Et bah, je vais vous raconter la suite de la route après. Allez, à tous les alors les potes. Alors, regardez où nous sommes. La frontière, regardez. Juste devant nous, donc là on peut pas du tout lire parce qu'on connaît pas l'écriture comme ça, c'est comme du russe. Mais en gros, là vous y allez,
Vous allez par là, et après vous allez passer la frontière juste là. Là, il y a un petit truc qui va désinfecter votre véhicule. Vous payez 3 euros. Ou quelque chose comme ça, je m'en souviens plus. Bon, je vous dirai après que après qu'on a payé. Je sais pas si c'était 3 euros ou quelque chose comme ça. Parce que moi, je m'en souviens comme ça. Bon, allez, à tout d'alors les potes. Alors les potes, j'ai pas le temps de le filmer, mais après que vous êtes fait contrôler votre bagage, etc. Eh bien, vous allez... Vous allez dans un endroit... Désolé pour ce cut. Vous allez dans un endroit où il y a marqué vignette et vous obtenez ceci. Je crois que ça a coûté 6 euros pour une semaine. Avant, c'était quelque chose où on collait sur la vitre, mais non. Maintenant, c'est fini. Maintenant, pour l'instant, vous avez ça. Vous pouvez le plier et le mettre sur votre pare-brise, sur le côté gauche du pare-brise. Bon, ben voilà, maintenant, nous avons commencé sur l'autoroute A4. Attendez, je vous fais un jump cut. Je vous retrouve tout à l'heure quand je filme l'autoroute. A tout à l'heure. Voilà les potes, donc je suis vraiment désolé si j'ai pas pu filmer beaucoup en garer la route, mais regardez, nous sommes dans le poste de douane à la frontière entre la Bulgarie et la Serbie. Regardez là ce qui est marqué. Nous dans le côté, nothing to declare, donc rien à déclarer, et goods to declare, ce sont pour les véhicules qui ont des choses à déclarer, doivent aller à droite. Et en haut, c'est Welcome to Serbia. Donc, bienvenue en Serbie. Donc là, la Bulgarie s'est terminée après 350 km. Et là, la Serbie, ça va durer un peu plus longtemps. Ça va durer 440 km. La frontière, regardez, elle est juste derrière nous. Et là-bas, il y a aussi une ligne de chemin de fer qui va jusqu'à Sofia. Désolé si j'ai pas bougé, il y avait une guêpe juste à côté de moi. Bon voilà, on va filmer aussi le reste de la route en Serbie. Je vais essayer de filmer un peu plus cette fois. Et je vais vous mettre des photos et tout. A tout à l'heure.
pote, nous sommes arrivés à la frontière serbo-croate. Dans 1 km, nous allons passer la frontière. La Serbie va se terminer, la Croatie va commencer, qui va être à peu près la même longueur, mais c'est 307 km. Alors là, nous sommes arrivés. Attendez, je vais faire un jump cut. Voilà les potes, nos contrôles ont été faits. On va passer la frontière dans moins de 30 secondes, dans 10 secondes peut-être. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, la Serbie est terminée. Maintenant, c'est parti pour la Croatie. Nous venons de passer la frontière maintenant. Donc on va circuler 307 km en Croatie. Après, c'est la Slovénie. Donc voilà, c'est parti. Là, il y a le bouchon. Donc, je vais faire un jump cut. On se retrouve tout à l'heure. Excuse me. In highways of Croatia, we pay on tolls or we have to buy a vignette. Voilà les potes, le contrôle est terminé. Voilà, c'est fini. Les contrôles ont été faits. On est maintenant sur l'autoroute. On a commencé la portion d'autoroute en Croatie. Maintenant, on va continuer près de 300 km. Donc, je filme encore 1 minute. Ensuite, je vais arrêter. Bientôt station de oui. Péage. Donc, ici c'est le dernier péage en Croatie. Il reste 1,6 km pour la frontière. Donc, là je vais faire un jump cut. On se retrouve après le péage parce que sinon il y a peut-être qui vont s'énerver pour dire hey, arrête de filmer, je sais pas quoi. Bon, voilà, on se retrouve tout à l'heure après le péage. Allez, je fais un jump cut. Voilà les potes, on a payé juste 1 euro. On a payé 1 euro et ça fait 7 kuna croates. Là, on va passer la frontière dans 750 mètres. On va payer 1 pile. Et ouais, il y a des contrôles. Regardez. Encore. À 100 mètres, regardez. Dans 500 Police. Mètres, section à péage en vue. Ensuite, continuez pour emprunter l'autoroute. Voilà, vous avez entendu le GPS. Alors là, je fais un petit jump cut encore. Parce que les policiers ils veulent surtout pas que je filme, après ils vont péter un câble sinon. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure après le contrôle. Voilà les potes, les contrôles sont faits. Nous allons passer la frontière dans 10, 9, 8, 7, 6. Dans 200 mètres, section à péage en vue. Ensuite, continuez 3, pour emprunter 2, l'autoroute. 1,
Et voilà, la Croatie est terminée. Et en plus, le panneau, il est là. Ils l'ont mis en retard. Continuez. Oui, continuez. Là, on est en Slovénie. Nous allons passer 185 km jusqu'en Autriche. Et je vais aussi montrer dans 110-115 km la séparation pour ceux qui vont pour ceux qui passent par l'Autriche et l'Allemagne, ou alors pour ceux qui passent par l'Italie. Mais nous, on passe par l'Autriche. Donc voilà, ils vont faire des contrôles. Ils nous donnent des feuilles. Ils nous disent par exemple, vous parlez quelle langue, vous allez vers où. Donc là, je vais terminer ce clip. On va se retrouver tout à l'heure. On va filmer les routes slovènes. Allez, à tout à l'heure, les potes. Vignetta. Minimum. Oh, attends. Autriche, Austria. Slovenia to France via Austria. Austria. We go to Austria. Okay. Alors les potes, j'ai enregistré toutes les voilà discrètement. Et je pouvais pas filmer parce que vraiment sinon vous allez vraiment être en colère. Alors pour 24-40, on a eu les 10 vignettes pour la Slovénie et l'Autriche. Et c'est vraiment une bonne chose. Donc là, on retourne dans notre voiture et on va continuer le voyage. Allez, à tout à l'heure. Alors les potes, juste une petite vidéo qui va vous informer que là, on est dans une station service. Il nous reste 8 km pour la frontière autrichienne, slovéno-autrichienne.
Donc juste voilà, juste pour vous informer ceci, je vais remonter dans la voiture et bah, on va se retrouver juste avant la frontière autrichienne. Je vais compter à rebours avant de passer la ligne de la frontière et je vais vous dire et voilà on est en Autriche, etc. Bon, vous verrez. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, ici c'est simple, ils parlent aussi l'anglais. Ils vous demandent si vous parlez le slovène, l'allemand ou l'anglais. Ben moi j'ai dit l'anglais. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la frontière. À tout à l'heure les potes. Voilà les potes. Alors je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un long tunnel. Alors là voilà, on entre dans un tunnel de 8 km environ. Et la frontière autrichienne est à 5 km. C'est la frontière, maintenant nous sommes en Autriche. Donc voilà, je vous ai dit que vous allez faire un compte à rebours. Un swag. On est d'accord. Alors, Norben. Alors, je vous ai dit en vidéo la longueur de Binaloué, ce tunnel. Et swag, à ton avis, c'était combien? Plus. 8? Presque 8, 7,80. Voilà, je remets la musique, c'est parti.
mes potes. Petite info, petit clip qui va vous prévenir que là, on va pas tarder à être en Allemagne. Là, il reste dans à peu près normalement un quart d'heure, on va finir l'Autriche, puis après on va être en Allemagne. Et n'oubliez pas que je suis accompagné de. Ouais. Ouais, on ne voit pas beaucoup parce que on est dans le noir là. Il est 21h12 et il fait déjà nuit. Bon voilà. Voilà juste pour prévenir qu'un peu dans un quart d'heure on est en Allemagne. Et du coup il nous reste plus de 1000 km pour chez nous. Et au moins 600 km pour la frontière française. Peut-être plus, je sais pas. Bon voilà. Je vais vous reprendre tout à l'heure quand on est à côté, juste pas loin de la frontière, et on va faire le compte à rebours comme d'habitude. Allez, à tout à l'heure. T'es sérieux? Voilà. C'est parti, voilà. Willkommen in Deutschland. Donc voilà, je sais pas pourquoi il y a une espèce de bouchon devant nous. Mais je sais pas. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Peut-être parce qu'il y a des contrôles, je sais pas. Mais il y a deux voies et c'est limité à 10 km/h. Peut-être parce qu'il y a des contrôles. Attendez, je vais faire un jump cut.
spot. Regardez ce qu'on voit là-bas. Tu vois la sortie? Dans 2 km, prendre sortie 51 sur la B500, puis tenez votre droite. On prend la sortie 51 vers la B500 et pas B500. C'est la sortie vers Baden-Baden. Baden-Baden, c'est une ville en Allemagne à proximité de la frontière avec la France. On va voir ce qu'il marque. Il marque d'ici Paris. Nous sortons dans 1 km. Dans 800 mètres, après prendre 800 sortie mètres, 51 la sortie, sur la B500, puis tenez votre droite. Prenez la sortie, puis prenez la sortie. Donc sortir à droite, puis ensuite on reste à droite. Là, on est sorti de l'autoroute A5 qui allait jusqu'à Bâle en Suisse. Dans 200 mètres, tenez votre droite sur la B500 vers Iflesheim. Iflesheim, déjà, c'est la frontière, c'est la ville frontalière. Donc là, la ville, la frontière est à 6 km d'ici. Continuez sur cette route. Là, vous voyez, l'autoroute elle vient de se terminer. Vous continuez sur cette route, sur cette nationale, parce que vous avez vu le panneau. Maintenant, 7 km, tiens, on roule. France, il n'y a même pas de panneau, quoi. C'est ça qui nous embête. Mais vous pouvez ressentir l'asphalte changer avec ce bruit, voilà, qui ressemble à ce bruit en même temps. Après la couleur. 800 mètres, traversez le rond-point, troisième sortie. Troisième sortie vers D4 Strasbourg. Vous continuez pendant 4-5 km. Dans 500 mètres au rond-point. Prenez la sortie 3. Vous continuez pendant 4-5 km sur cette D4 jusqu'à la A35 vers Strasbourg. Ensuite, pour aller vers Paris, vous continuez à peu près une trentaine de kilomètres. Ensuite, vous dans aurez 200 mètres au rond-point, prenez la sortie 3. Vous aurez la sortie A4 vers Paris, Reims, Metz, Luxembourg. Traversez le rond-point, troisième sortie. Donc voilà, nous sommes enfin arrivés en France, Frankreich.
voilà, je vais vous filmer cette route. Et après, voilà, je vous mène à la musique et je parle pas. Thank you.
Et voilà les potes. La vidéo est enfin terminée après au moins de le trajet 2 jours et demi. Mais au moins 40 minutes, 40-50 minutes dans la vidéo. Donc surtout, likez cette vidéo. Pétez-moi cette barre de like. Parce que franchement, c'était extrêmement long. On a dû dormir plein de fois. Surtout entre Strasbourg et Metz. On a dû dormir dans une aire de repos entre les deux pendant au moins 2-3 heures parce qu'on était vraiment fatigués. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo m'a pris un jour entier presque pour l'éditer. Non, en fait, je rigole. Ça m'a pris 7 heures hier et 7 heures aujourd'hui. Du coup, ça fait presque 14 heures de montage. Franchement, c'est énorme. Pour une vidéo de même pas une heure. Voilà, merci surtout. Abonnez-vous à la chaîne, à commenter, partagez nos vidéos. Tchuss.